Compatriotes, moi yo, finalement, la police à travers section audiovisuelle, alors la police là, rive présenté by public là, madame accès chef gang Kempes, kap dirige Belé. Kempes sa non, nous connaissons ça, qui zak malhonnête a fait, sous moun Solino, avec moun Delma 24, dernier temps sa ou là. Geyoun, mesdames sa yo, que la police arrête ya, qui relè Vanessa Sanon, qui c'est chef gang Kempes Sanon. Et puis, Marie-André Nathalie Balham, qui c'est une madame Kempes, femme sa yo, rive devant DCPJ, yo bay toute vérité, bay policier DCPJ yo. On a regardé qui j'en et comment, femme sa yo t'a répondu une question. DCPJ. Franchement, moi saisi tande madame chef gang Kempes là qui a répondu une question qui fait qu'on est que lui pas qu'on est Kempes en tant que bandit. Tandis que c'est chef gang Kempes qui c'est Vanessa Sanon lui admet que oui frère ils sont puissants chef gang, ils sont criminels kidnappés. On a regardé, tendez, après ça, m'a tourné pour plus de détails avec précision. On a là chaque jour après renforcer tête li dans l'idée pour action la poser capable bien efficace sous plan administratif et opérationnel. Surtout avec phénomène grand banditis là, côté gang criminel yo a utilisé toute tactique pour commettre zak malhonnête sous man population civile là. Et puis servi avec individu dans tout secteur. Tout l'âge, jeune, grand monde, garçon ou femme, yon manière pour élargir gros réseau malfecté yo. PNH là, comme force légale qui toujours était fidèle à devise et puis mission li, continue à développer stratégie pour contrer action gang criminel yo, quel que soit côté y a ferraillé sous territoire national là. C'est dans optique ça. Cellule contre enlèvement CCE DCPJ rive mette en bas code nan jou ki sot passé yo. Marie-André Nathalie Balaham en bas code ak Vanessa Sanon en bas code 41 l'année. Marie-André Nathalie Balaham c'est madame chef gang Kempes Sanon évadé prison kap opéré nan Bel Air. Alors que Vanessa Sanon 35 l'année, li même c'est ici chef gang criminel Kempes Sanon. La police a arrêté deux mesdames Sayo pour association malfecte à complicité yo à gang. Comment vous faites là aujourd'hui? Après, on essaie juste d'avoir notre travail et puis le gars de moi, la police a arrêté. Ça qui fait là aujourd'hui? Bon, je reproche parce que je connais un petit peu. Je recevoir quoi? Qu'une personne, oui, grand forme, fait derrière. Marie-André Nathalie Balaham, qui est un employé dans le ministère des Affaires sociales, a tenté de prouver l'innocence li dans l'activité gang. Fait qu'on est, li pa gen anyen a wè nan relation femme ak nom avec chef gang Kempes. Kempes? Qui rapport ou gen avec Kempes? Relation gen avec Kempes. C'est juste le business qu'on fait. Tout simplement, le business qu'on fait. Malgré enquête de CPJ, on y veut joindre en pile évidence qui montrait à clair Marie-André gen connexion avec chef gang quartier Bel Air. C'est juste Kempes qui est dans le téléphone. Et puis, il dit comme ça. Ma téléphone ba ou ba Vanessa pour moi. Vous avez parlé avec Kempes au téléphone? Oui, nous parlons dans le téléphone. Mbal ou Kempes charge. Mbal ou Kempes charge. Kempes parle avec mon téléphone, nous parlons souvent même bal. Pour ça qui gen awe ak Vanessa Sanon, c'est chef gang Kempes. La police joigne yon téléphone Mac iPhone yon moun yon te kidnappé nan mel. Et téléphone Kempes c'est vous ça garde nous sur. Bon, si yon téléphone li te bay Balaham. Tirer les Balaham, les Balil, et puis Balaham, les t-shirts, on joue dimanche, et puis il prend le téléphone là, le côté.
Toutefois, Vanessa a confirmé qu'elle est au courant de la criminelle que frère Kempes a posé. Mais ça n'a pas empêché lui accepter de recevoir Kob dans mes Kempes. Mettez sous ça, lui avoué Marie-André Nathalie Balaram qui a un business provision alimentaire dans Pétionville, c'est bon bel sel. Marie-André Balaram, ça lui est pour vous. Non, il y a famille, c'est belle somme quand même. Mais, quand l'activité qu'il fait? Si on a boulé, il fait qu'on a tout le monde. Tout le monde, il fait kidnapper, il fait tout ça qui n'est pas bon. Parce que je me donne tout ça à l'affaire, vous comprenez? Je ne suis pas au secret pour personne. Si Vanessa ça nous fait connaître frère Kempes c'est gros chef gang, eh bien Marie-André Nathalie dit les pattes au courant. Tout le monde parle avec frère Kempes, ça va qu'on Kempes c'est gang. Oui, moi toujours elle sur les réseaux sociaux. Mais avec ça on va être moins tôt. Dernier temps ça y est. Police nationale la vin pi déterminé nan pran plis mezi ak engagement pour garantir sécurité ak protection tout citoyen. Nan sans ça ou même qui nan complicité ak gang pap et panier en bas coup de code la police. Jodi a c'est tout pa Vanessa ak Marie-André Nathalie, c'est capable tout pa ou. Parce que gen yon jou ki pap pou ou. Pendant ou ap commet zak criminel ou an, la police ap mache pran. A pali papa, jen sou gade a la, c'est deux mesdames sa yo, yo arrêté yo à cause yo yon connivence avec bandi, chef gang Kempes. Cap diriger Belé. La police arrête yo et ensuite madame Kempes là c'est dame sur regarde sur écran là qui c'est Marie André Nathalie Balaham qui c'est madame puissant chef gang ça cap diriger Belé. Vanessa parle parole là li bay vérité. Nan gadon belle green femme Vanessa yé. Hein Vanessa qui c'est chef gang Kempes ça non malgré le qu'on est frère c'est un puissant chef gang criminel kidnappé mais ça pas empêché le prendre l'argent dans Kempes pour bailler famille les familles en difficulté oui famille a mangé l'argent kidnapping y a mangé l'argent ben indécent et gay au téléphone yo joine nommé c'est Kempes là. Et téléphone ça, c'est téléphone yon moun yon te kidnappé qui sont téléphone iPhone. Vous avez dégosé? Et bien téléphone ça, et non mais c'est allié. C'est affaire qu'on est tout, qui j'en téléphone n'a fait arriver dans mail. Hein? La bah vérité, et puis l'autre c'est allié même, l'autre femme là, qui c'est madame Kempes. Lui sorti pour bah menti. Il a demandé qui relation le gain avec Kempes. Oh oui, c'est relation business. Et bien, la police, à travers arrestation, yo te fait, la police est arrêté dame, deux mesdames, yon se chef gang Kempes, et l'autre là, je me dis là, c'est madame Kempes. Et bien, debout yo arrêté un moun, li passe dans le DCPJ. Nous pas une vidéo à la police là, pour qu'on bali comme information. Parce que, et là, on va attendre toute vérité qui gagne, qui cache dans le dossier ça. Oui. Parce que moi, dernier temps, ça, là, je viens prudent avec arrestation, la police a fait. Parce que, il y a deux jeunes qui victimes en bas, mais la police, yo la gagne dossier chef gang, gros dossier sous de yo, dossier chien méchant. Pourtant, c'est pas vrai du tout. Hein? C'est pas vrai du tout. Et bien, si monsieur sorti arrivé jeune libération yo après 20 jours yo t'est passé en dedans et pris gadavi pas dit prison en dedans gadavi qui était yo libéré et non moi pas la voilà yo la caillou y a dormi avec ordre de libération yo en bas tête yo en bas zoyer yo. Bon pendant parler là de Belé nous connaît Kempes le cementé sous ville pour le prendre Solino. Femmes ou bien, jodi a la, gen yon action qui passe nan Solino. Kote ke, yon apprenn mwen, gen yon ti moun Solino, li arrive, kite Solino, lale nan gang Belé. Kade bien oui?
Mabdil Jean-Lier. Tout ça, qui relè Elifet, qui se yon bandit belè, policier m'baka di, basi m'ba wè kès ki tèl, nèg aksam, nan Solino, yon promise tout vivant, yon mette le campé, non graffiti, qui marque Solino, après ça, yon passe yon foule, zam automatique, sou misye yon touyel. Oui, d'après information, Elifet, c'est Timoun Solino, mais il était trahi, la joun nek belè yo, li entre nan gang. Jodi a la, nek aksam nan Solino, yo kembe to sa, yo touyel en babal. On a regardé vidéo ça, après ça, map tourne pour plus de détails avec précision. On regarde ensemble. Allez, ou après penser c'est docteur Misseye, il met deux mains en tête, il passe le wel l'homme en face li, zam prite sou li, yo passe, yo foule sou misye, plusieurs balles nan kontof le stomac misye, et il fait tomber, même bat li pa bat, li mouri, et il fait, c'est Timoun Solino, li kite Solino, selon information qui veut jeune mouen, li descend belè, la jeune qui m'pèse. Oui. L'entraîneur gang. Yo kembe misye tout vivant. Yo entré avec Solino. Yo fizye le côté le te fait là. Solino. Li mouri sous territoire encore. Kounya là. Est-ce qu'à travers vidéo ça, les chefs gang qui m'pèse ou elle, est-ce qu'elle pas bay moun? Solino réponse à travers vidéo ça. C'est question qu'a posé. Moi m'avou, m'pa gè réponse là. Est-ce que me pèse pas ba réponse pour ça moun Solino fait là? M'pa konnen. Oui, sincèrement m'pa konnen. Parce que nous konnen les une action pareille faite comme ça puis devant ne ka ba réponse. M'pa kwè c'est policier qui tué misé comme ça. Hein. Parce que policier pas fait action ça. Est-ce que policier a imité bandi yo? Même j'ai bandi kon kimbe parce que dernier temps ça là nous wè l'homme sans jou kimbe bandi nek ti volé yo touye yo nous wè ki jan l'autre bandi kimbe l'autre bandi pareil yo filmé yo tiye yo mais kounya là mais ça a privé là en dans Solino moun Solino konsèm gen pour nous mettez kon nou à l'abri parce que ça fait là a gen une réponse quand même ou mais kwèm m'ba on pou fait démaler mais le bala a privé nous prenons ça. Eh bien, attendez non. Et nous avons traversé dans le département sud pays parce que la police, à travers une opération menée là, est arrivée, marée, tant que crabe, puissant chef gang. Et gang ça, qui c'est l'inan l'armée de Timachette. C'est tout ça qui est sur l'écran là. Pas de mentir dans ça. Regardez bien. Regardez Figuito. Monsieur Relé. Gerlin Maslin, qui c'est chef gang, la métier manchette, et non Saint-Jean du Sud. C'est policier sud pays qui marie tout. Opération policière, S, et une dégâts DDS, Gerlin Maslin, chef gang, la métier manchette, les jeunes arrestations. C'est une opération qui est menée par unité départementale de métier d'ordre IDMO. Dans le département sud pays, vendredi qui était 27 septembre 2024, là, il est arrivé Maritakou Krab, Gerlin Maslin, chef gang, la métier manchette,
Et la police nous connaît tout. Yo salie collaboration population civile là dans cadre et coup de filet ça il a continué mander population continuer collaborer avec la police de façon pour combattre grand banditisme sous toute forme à travers tout territoire national là dans garde toa. Chance pour lui, il pas croisé avec le commissaire Miskade, mais c'est avec le policier Idmoyo, il croisé avec. Eh bien, la bat bravo pour le policier Idmoyo qui arrive, déposer la patte sous puissant chef gang ça qui ne l'a mis machette. Non, monsieur, c'est Guelin Maslin. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour qu'on vienne l'autre dossier. Pas oublier, Chanel ça. C'est Production 609. M'a demandé pour liker, abonner, peser sous cloche notification, retirer le sous PS3 et sous tout pour la nouvelle vidéo pour pas rater. Rendez-vous dans la prochaine émission. Et déjà, je crois y rentrer des classes là, ouverture officielle là, encore une fois, autorité dans l'État, le gouvernement, yo cassé rendez-vous dans le département sud pays d'Haïti. C'est dans le département sud yo décidé faire lancement ou bien ouverture officielle rentrée officielle entrée des classes là. OK? C'est dans le sud il a fait moi quoi. Sous Ariel, l'année dernière, elle était faite. Elle était faite dans Jérémie. Si je. Bonne mémoire. Elle était faite dans Jérémie. Vous comprenez? Et là, elle était faite. Et dans l'occasion, il a profité tout. Inauguré, je crois, dès l'école nationale. Inauguré dès l'école nationale. Dans le département sud pays. Dans l'occasion ça. Ok? Dans l'occasion ça. Mais dans l'intervalle, je dis, c'est dans le sud pays. Le gouvernement a lancé rentrée officielle des classes là. Pour l'année académique 2024-2025 là. Il prévoit faire l'île dans le centre technique professionnel de CAI. Ok? Et il y a une possibilité pour inaugurer dès l'école. Ok? École nationale de Chantal pour Anessa. Ok? On a parlé de l'école nationale de Chantal. Donc c'est là. Il y a plus l'école ça, mais c'est dans le sud pays, c'est Okaï, dans le chef-lieu département. On l'école qui pourrait cap l'ouvrir, s'ouvrir, dans un contexte extrêmement difficile. Dans un contexte extrêmement difficile. Jodia, dans la TV où on fait, toujours, l'école nationale ou bien des lycées, il est toujours occupé par des déplacés internes. Des mouns qui quittent, soit Kafoufei, soit Matissan, qui quittent Pernier, qui quittent Taba. On bon problème, on bon moun. Qui te kon peut-être abvive. Nan façon pa yo, la kayo. Ça m'en relé nan façon pa yo. Il y a une toilette qui est disponible. Il y a une salle à manger. Certainement, il y a une télévision la caillou. Il y a créé des conditions, mettez courant la caillou, énergie. Il y a une fou la caillou. Il y a une génératrice la caillou. Ou bien 5, 3, 4 personnes à vivre dans l'espace que vous avez possédé.
que vous avez possédé ou bien vous loué. Mais vous dites que vous vivez dans l'espace, pile sous pile. Vous n'avez pas habité avec l'autre déjà. Et vous vivez comme ça, en pec-mêle. Vous vivez. Moun sou moun, pile sou pile comme ça, n'importe situation capable de arriver. Capable, une épidémie capable de déclarer dans l'espace ça, dans l'espace ça. Est-ce que nous devons le camp? Bah, on est. Mais n'importe épidémie capable de déclarer. Ça, c'est pour entrer des classes là. Dans quel niveau nous y avec entrer des classes là? Qui pas important qui franchit avec entrer des classes là? Bon, le gouvernement, via ministère éducation nationale, il compte accompagner plus de 260 000 parents. Plus de 260 000 parents qui sont dans l'école nationale. Plus de 260 000 parents qui sont dans l'école nationale. Je dis à ces 27 à date. Dans quel niveau distribution ça est? Est-ce que il y a un parent qui recevra sur téléphone tchouti tchouchou ça qui est très insignifiant, qui pas représenté rien, mais quand même qui capable un petit sou, qui capable soulager un petit monde qui dans l'école nationale, ça capable aider parent acheter ba coup de uniforme là. Acheter uniforme 3 uniforme là ba coup de. Mais à quel niveau nous y est? Est-ce que l'école nationale a ouvert même toute l'école mardi 1er octobre qu'a vienne là? Est-ce que l'école nationale dans tout pays qui entretient qui fait déjà dans l'école nationale ou bien dans le lycée yo? Parce que c'est un titre toujours plus négligé lorsque l'école a ouvert. L'État annonce l'école, telle date pour l'école l'ouvrir. Puis, où arrive l'école nationale là pour ouvrir? M'a regardé l'État, l'école nationale, pleine du Nord. Bon, je me suis dit, je me fais une intervention avec le directeur général FNR sous situation l'école nationale pleine du Nord. Sous situation l'école nationale pleine du Nord. Et je me suis dit, dossier ça, il est déposé. Parce que c'était un dossier normal pour l'école nationale là qui méritait réhabilité. Là on a parlé de Ronald Jean Ronald Joseph qui est directeur général FNE Fonds National d'Éducation. Bon, parce que son jeune garçon qui très débouillard, Jean Mouni aurait dit là, peut-être dossier ça la prend la cœur même Jean déjà dans pile l'école nationale depuis présence dit dans tête FNE qui construit en un pays. Parce que dans le travail, dans la dynamique, ça, Jean-Ronald Joseph, l'école nationale pleine du Nord bénéficie. Nous faisons tirer les ça, c'est pour nous dire, nous, situation là-dedans, est extrêmement compliquée. Mais quand même, pareil, pas pareil, entièrement pour 4 heures, ça veut dire 1er octobre, c'est date, ça, l'état de Kimbé. T'es fixé pour ouvrir des classes en Haïti. Mais c'est mardi tout, n'a pas rentré dans une nouvelle année fiscale. N'a pas rentré dans année fiscale qui fixé. Alors, chaque année, nous fait ouverture chaque 1er octobre. Chaque 1er octobre. Chaque 1er octobre. Roman. Et nous pas capable ouvrir non parce que jodi a pendant n'a tant blanc pendant n'a tant communauté internationale là faut l'état débouiller le temps qu'on met Jean-Jacques avec tirer cette y a fait soit la douane soit dans DGI pour nous bail ce résultat pendant mon DGI même tout parce que s'il y a collecté. Si y'a rentré l'argent pour l'État, y'a des services pour eux. Même j'en dis à moi, y'a annoncé une grève. Y'a des revendications, c'est important. Mais si y'a collecté
si c'est eux-mêmes qui là pour aider l'État Kimbé pour joindre support pour appuyer police nationale, support pour faire ouverture des classes, pour appuyer l'armée, parce que l'objectif là aujourd'hui a c'est rétablir sécurité dans le pays. Donc ça veut dire mardi qu'a vienne là, je vais lancer année fiscale 2024-2025 là. Nouvelle année c'est pour mardi qu'a vienne là. C'est des gros chantiers captain nous. C'est des gros chantiers captain nous. Pendant n'a parlé pour année fiscale là. Mardi le tribunal a ouvert les 7 tout. Tribunal a ouvert les 7 oui. Maintenant des ministres de justice là qui annoncé les plaza c'est là et pour le mettre tribunal de première instance avec paquet pour au prince palette de justice c'est le plaza le bralier a dit l'état davantage il dit la reprend contrôle espace et maintenant nous pendant on dit là 7 octobre c'est parce que chaque deuxième lundi dans le mois d'octobre, le premier lundi, mois d'octobre, c'est laissé date ça, oui. La justice toujours retenue pour faire ouverture tribunal dans tout le pays. Mais la Cour des comptes, un gros tribunal administratif dans le pays. Je dis à ces conseil électoral provisoire qui bat un petit espace. C'est conseil électoral provisoire qui bat un petit espace. Côté vous mettez tout juge, tout emploi et coup des comptes. Tout emploi et coup des comptes, oui. C'est dans des petits coins, oui. Mais bandit fait l'État qui était en bas. Bandit fait l'État coup des comptes qui était champ de masse. Qui l'est n'a pris prendre espace coup des comptes là. Qui l'est employé capable de descendre. Quel employeur est capable de descendre dans l'espace là? Parce que le conseil électoral provisoire est monté, même s'il est handicapé des deux membres jusqu'à présent, mais quand même, ils vont côté. Mesdames, ils vont côté pour dire bon, c'est Barbara Guillaume nous choisit. Droits humains, ils vont côté pour dire bon, c'est mettre Gédéon Jeune choisi pour compléter le conseil électoral provisoire pour mettre la machine électorale là en branle. Voilà ensemble des chantiers mois d'octobre là capitaine nous là. On a parlé des grèves dans DGI. C'est important, oui. Monsieur Damien a fait grève. Hein? Monsieur Damien a fait grève. Parce que si eux même c'est eux qui a aidé l'État collecter l'argent pour bâtir service, il a bail là avec Zongio. Il y a une revendication par eux. C'est important. Mais pendant une revendication, moi-même, tout comme contribuable, moi, j'ai une revendication pas tout. Faut pas pénaliser me trop, non? Faut pas pénaliser me trop, non? Faut nous créer conditions pour nous capables de dialoguer avec autorité là, yo. Nous pas créer barrière, non? Comme si nous sommes bon haïtiens dans le même espace. Vous me dites, prenez, ne faites pas, ne pas parler. Comment ne pas parler? Année fiscale, là, pour l'ouvrir. Ensemble des contribuables qui besoin payer pour activité au marché. Nous faut qu'à créer couloir pour nous parler. Faut revendication passée. Mais faut nous parler pour l'autre citoyen contribuable. Qui vient payer dans DGI pour nous toucher pour y répondre à revendication pas nous faut nous parler nous sommes bon haïtiens employés DGI pas c'est pas comment tu es capable de dire ça c'est pas des monde qui sont dans l'autre pays nous c'est haïtiens si nous c'est haïtiens monde qui dans tête DGI faut nous créer conditions pour nous parler avec eux. Faut créer des conditions pour nous parler avec. Faut pas pénaliser les gens trop, non? Faut pas mettre l'État, faut pas attaquer l'État.
faut pas attaquer l'État. Et puis, un mouvement de grève, c'est un mouvement volontaire qui est lié. Il y a des gens qui ont décidé de rentrer, il y a des gens qui n'ont pas décidé de rentrer. Donc, il ne faut pas avoir de pression. Oui, nous, c'est normal. C'est normal. Je m'attendais l'argent de GIA pour rentrer. Je m'attendais l'argent de la douane pour rentrer. Pour nous souffrir. Je me rappelle que je fais une émission sur ça. Je suis arrivé dans la douane. Je suis arrivé dans la direction générale des douanes. Je suis arrivé, je me regarde dans les conditions de mon travail. Je rappelle Marie Henri de visiter. La douane a collecté tout l'argent, ça, 10 milliards, 12 milliards, un paquet de milliards. Et puis pour nous travailler dans la condition ça. Pour nous travailler dans la condition ça. DGI a collecté tout milliard ça yo pour employer à travailler dans la condition ça. Oui, il faut revendication au passé. Mais il ne faut pas faire non. Pendant qu'on a fait revendication passé, il ne faut pas déranger l'autre monde. Dans DGI Delma, il y a des gens qui descendent pendant toute semaine qui ont besoin de payer activité par eux. Il y a des gens qui ont besoin de faire casier judiciaire par eux. Surtout avec le programme Biden, il faut avoir accès pour faire récépissé. Roman, il faut avoir accès à ça. Il faut créer un couloir à ça. A dit nous pas qu'à kembe l'État, des citoyens pas qu'à kembe l'État pour régler les affaires par eux qui sont mal. Et puis moi-même, l'autre citoyen, l'autre contribuable, n'a pénalisé, n'a fait souffrir. Il faut qu'un comité qui montait pour aller parler avec la direction générale. Déjà, il y a des directeurs là-dedans. Il faut qu'un comité montait pour faire arrangement. Il n'y a pas de rencontre préalable. Ce n'est pas entendre nous, pas de 40 ans, nous, qui fait nous tomber dans la grève. Ce n'est pas entendre nous, pas de 40 ans, nous. Mais si nous là, nous sommes femmes à garçons, nous sommes haïtiens, nous sommes haïtiennes, ben entendre nous pour nous faire ça marcher. Parce que mardi là, il y a un pile citoyen pour yo toucher Ticho Cho, yo doué yo dans ensemble d'institution, faut venir à patente yo. Faut venir à patente yo. Moins de GI doué. De GI doué. J'avais dit, DGI doué, moi j'avais dit, a dit, année fiscale la fini m'a touché. Année fiscale la fini m'a touché. Mais quand même, t'es gagné un budget sous Ticho Cho ça. N'est-ce pas, m'a gagné un budget, pas m'zouli. J'avais dit, m'a gagné des mouns, m'a bâti coup de main là pour entrer des classes là. Ak pour dire, c'est pas sous ça m'a déplanifié. Et pas l'imde, ouais. On a avancé. Pour nous capables pour nous aider pays nous parce que pays est pour nous lier c'est faut nous entendre là pas un pays pour n'a goumer là encore. OK, un pays pour n'a faire tout combat ça. OK ça comme qui écrit on a dit me coup des comptes dit c'est seulement contrôle a posteriori. L'affaire seulement sous collectivité yo ak bureau déconcentré yo. Yo pa fè contrôle a priori, contrôle avant dépense encore, yo remet ministère finance à contrôleur financier ministère intérieur fè contrôle ça. Donc yo pa fè contrôle après dépense.